Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et je suis prêt à faire, si vous voulez un jour, vraiment une réunion, qu'on puisse vous expliquer des certaines choses que vous ne comprenez pas ce qui existe dans un club. N'oubliez pas que moi, rarement, je suis ici. Je ne travaille pas avec eux. C'est eux qui travaillent pour moi. Entre parenthèses, je ne suis pas parti, elle est ma vie, hein. Dans le vestiaire, j'ai un témoin. Lui, il va élever les Philippos. C'est moi qui dois gérer. Faites polémique. Je ne peux plus rien faire. Mais quand il va avoir des exigences et que je ne peux pas lui donner, bien sûr qu'il va dire, attends, je veux ça. Mais je vais le comprendre. Mais ça se passera entre nous deux. On ne mettra pas sur la place publique. Mais il travaille avec des autres. C'est un échec pour moi. Mais eux, ils ont... J'ai donné ce qu'ils ont souhaité. C'est incroyable que vous êtes têtu, hein. Je suis en train de vous expliquer, au mois de janvier, qu'il y a des gens avec qui j'ai un problème. Je suis toujours positif, moi, dans ma vision de choses. Parfois, il y a des choses qui se passent un petit peu différemment, mais je suis toujours, je dirais, dans une situation un petit peu délicate. Dans une entreprise, vous avez des hommes, mais vous avez aussi, je dirais, des machines. Là, on n'a que des machines qu'on doit gérer et que ce n'est pas évident. C'est imprévisible parfois sur certaines choses. Mais je dis encore une fois de plus, j'assume toutes les responsabilités et que ce n'est pas toujours le cas. Attends, il est courageux le type. Alors, mais je dis encore une fois de plus que ça soit bien clair dans votre tête. Mais jusqu'à présent, même si peut-être ça vous étonne, je n'ai pas du tout honte de dire que je n'ai jamais respecté le club. Il vaut mieux que je parte pour l'intérêt du club. Tout se passera très très bien, il n'y a pas de problème.